Coucou Sandy, comment ça va? Désolée pour le retard. J'ai eu des petits soucis. Comment vas-tu? T'es au crochet là? J'adore ce que tu fais. Franchement, c'est top. Franchement, c'est... Coucou Laurence. Oui, on fait aller, on fait aller. Quand on vend les trucs des enfants, ça... Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça que j'avais jamais vendu les habits des enfants et que j'ai encore les habits de bébé de Tom et Alec. Et j'avais Eileen, mais Eileen, comme j'ai une petite cousine qui est née au mois de mai, bon, j'avais ma petite nièce déjà à qui je refile pas mal de choses. Et elle, ma soeur me rendait tout. Et là, j'ai tout donné les cartons à ma petite cousine en disant t'en fais ce que t'en veux. Et je lui dis surtout tu ne me rends pas parce que après je peux pas m'en séparer et bah ça prend trop de place. Coucou Mélissa. Coucou Maëva, comment ça va depuis tout à l'heure? Coucou Sandrine, comment ça va? Ah ouais, que Eline elle a jamais joué à la poupée, donc de toute façon, ça va Sandrine? Maman, Oui ma fille. c'est quand le rendez-vous pour que savoir qu'est-ce qu'on mange à Noël? Le 10. 10 décembre, je pourrais venir. Oui. Et on sait toujours pas avec qui on Je fait suis en Noël. live, Eline. Oui, je sais. D'accord. Et alors, ils ont le droit de savoir D'accord. ce qu'on mange. Et on sait toujours pas avec qui on fait le Nouvel An. Bonsoir. Voilà. J'ai fait un tas avec les bodys de 1 mois tout neuf et on va les donner à une collègue de mon chéri, mais je vais en garder. Ah ouais. Je me souvenais plus. Je me souvenais plus ce qu'il y avait. Il y a le bracelet de naissance, je crois. Il y a premier body. Je me souviens plus ce qu'il y a dans la boîte. Coucou Caroline. Ah ouais. Corolle, Eline, elle en a une, mais elle n'a pas trop joué à la poupée en fait. Moi, j'ai joué énormément à la poupée, très longtemps. Coucou ma tartine. Mais Eline a quasiment pas joué à la poupée. Donc j'ai quelques poupées dans une boîte parce que bah, c'est pareil, les jeux, j'ai du mal à les vanner. Coucou, deuxième Caroline. Donc on va dire Bubule. Comment ça va? Mais là, bah, comme j'ai dû vider la salle de bain du haut où il y avait tous les cartons, bah du coup j'ai tout filé, quoi.
Donc Mélissa vous dit bonjour, Sandy, Maëva, Martine. Ah ouais? Oh non, moi les gars, ils sont jamais joués à la poupée. Hein. Jamais, jamais, jamais. Moi, je joue à la poupée Tini. J'ai joué super longtemps à la poupée Tini et à la Barbie. Alors, la Barbie. Jusqu'à même quand j'étais en BTS, j'avais encore les Barbies qui trônaient sur mon bureau. Il fallait qu'elles soient habillées de façon très élégante. Coiffées de façon très élégante aussi. Ça, c'était hyper important. Ah ouais, les Playmobil, par contre, Eline, elle a joué énormément aux Playmobil, les garçons aussi. Alors ça, les Playmobil, on a tout, hein. On a tout, on a la maison, on a la Cadillac, on a le bateau pirate, l'arche de Noé, la gendarmerie, l'école, les manèges de fête foraine, donc on a les chaises, les... Comment ça s'appelle? Les parapluies, les... Qu'est-ce qu'on a le troisième manège, c'est quoi? Je sais plus. Les Playmobil, on a tout. Elle a joué au Polly Pocket aussi, Eileen. Ouais, Polly Pocket. Et ce qu'elle adorait aussi, c'est les Pini Poon. Et Pini Poon, pareil, on a les autos tamponneuses, on a les armoires, parce que tu pouvais mettre les Pini Poon dedans, on doit avoir l'école. Les Polly Pocket, elle en a, mais elle en avait un petit peu et on les a filés à ma cousine, qui a fait une salle de jeu pour ses petits-enfants chez elle. Coucou Adeline, comment tu vas? Moi, j'adorais jouer aux Schtroumpfs aussi. Ma mère m'achetait dès que j'avais des bonnes notes des Schtroumpfs, des petits Schtroumpfs en plastique. En fait, c'était en espèce de caoutchouc. Je me rappelle, j'avais la maison de la Schtroumpfette violette. Et j'avais le Schtroumpf pâtissier. J'avais la Schtroumpfette. J'avais le Schtroumpf fermier. Et je me faisais tout un village et tout. J'adorais jouer à ça. Ouais, les Pini Poon, elle a aimé, mais longtemps, hein. Franchement, c'est ce qu'elle emmenait en vacances et tout, parce que quand on partait en vacances, ils n'avaient pas le droit d'emmener ni DS, ni jeux vidéo, en fait. En vacances, c'est vacances en famille, c'est pas de jeux vidéo. Donc, bon, ça a bien changé, maintenant avec les téléphones, mais... Et du coup, c'est ce qu'elle emmenait, Pini Poon, c'est ce qu'elle emmenait. Bah là, ça va être Noël. J'ai aucune idée pour mes neveux et nièces. Aucune idée. Là, le 6 novembre, c'était l'anniversaire de mon petit neveu. Donc, là, je lui ai pris un petit casque pour pas qu'il entende les bruits.
Ah oui, toujours, t'es toujours courbaturée pour ton bois, ma pauvre. Et puis, c'était l'anniversaire de ma... Enfin, c'est l'anniversaire de ma soeur aujourd'hui. Donc, c'est bon, elle, j'ai trouvé son cadeau. Il arrive hyper en retard parce qu'il va arriver demain. Bon, c'est pas grave. Mais alors après, pour Noël, j'ai aucune idée. D'habitude, j'ai des idées, mais alors là, aucune. Ah ouais? Une petite crèche pour mettre sous le sapin? Bah, Éline, quand elle m'avait demandé une crèche, parce que bah, nous on est athées hein, dans la famille, mais elle, elle est croyante, et elle voulait une crèche. Donc, bah, j'avais dit oui, je t'en achèterai une. Et en fait, quand j'ai fait mon voyage en Égypte avec le travail, il y avait des Nubiens qui vendaient des crèches faites main. Et du coup, j'en avais ramené une bah, d'Égypte. Donc, du coup. Comme elle est faite main et qu'elle est en plâtre, je veux pas qu'elle se trouve cassée. Donc en fait, elle est toute l'année sur mon meuble sous la télé, quoi. On a la crèche au quotidien dans la maison. Ah, c'est marrant, elle fait son sapin dans sa chambre. Oh merde, tartine. Pas de Noël. Bon, elle est toute simple, je vais te la chercher, hein. C'est fait main, mais c'est bah, le fait que ce soit. Elle est absolument très simple, je vais la chercher. Par contre, comme elle est faite, elle est hyper difficile à nettoyer. Donc, elle est comme ça. Voilà. Elle est vraiment. C'est du travail fait par des petits Nubiens. Donc. Donc, en leur achetant, bah, j'ai fait une bonne action parce qu'ils n'ont pas d'argent, ces gens-là. Et en plus, voilà. Et bah, mon neveu m'a mis un dé dedans et une Mia du lion. Mia et le lion blanc. Donc, il a décidé. Donc, je le laisse. Comme ça, quand il vient, il a ses petits repères. Donc, je vais la ranger. C'est surtout le fait de bah, d'aider en fait qui m'avait plu. Et puis le fait que ce soit fait main, voilà, je trouvais ça très. Je perds mes cheveux, c'est un truc de fou. Vous verriez, dès que je passe la main dans mes cheveux, j'ai des poignées. C'est un truc de dingue. Regardez-moi ça. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des poignées de cheveux. Ça fait une semaine que ça dure. C'est un truc de dingue. J'en ai partout sur ma veste et tout. Bref. Ah là 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 là. Ah merde, j'avais pas vu qu'il y avait deux plumes là. J'ai fait celle-là. Enfin, j'ai fait la base de celle-ci. Ah, cruche. Alors, vous êtes sur quoi, vous, au niveau du colo?
J'avais déjà fait le premier. C'est là. C'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Je sais plus le premier de ce mois-ci. Donc j'en fais un deuxième. Ah. Coucou Sandrine, comment ça va? Tu crois que c'est un changement de saison là? Je sais pas, mais oh, truc de fou. Quand ils étaient longs encore, je... Ah! Puis là, on voit mes cheveux. Attends, je vais décaler la truc. Sinon, vous allez encore voir ma tête tout le temps. Je sais pas ce qui est fou, Eline, mais alors je l'entends sauter. T'es dans le Daydream. Ah, t'es dans le colo en commun de Sandrine? Ah, le Atlantis. Ah ouais, c'est pas le même papier que d'habitude? Il m'intéresse pas celui-là. Oh, merci. Adeline, dans son dernier quoi? Ah, moi, il y a trop de challenges. J'arrive, je ne suis plus. Luxéol, c'est un truc que t'achètes en pharmacie, ça? Attends, j'ai raté quoi? Adeline, j'ai raté quelque chose? Dans le dernier quoi? Ah, le dernier... Le dernier de l'Odyssée? Bah, d'habitude, j'en fais qu'un par mois. Je fais rarement, je crois que je l'ai fait qu'une fois. La biotine. Ouais, je me... La base de plantes. Okay. T'es dans l'Atlantis aussi, Adeline, c'est ça que tu dis? Oh là 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 là. Je peux pas me passer la main dans les cheveux. Puis là, je viens de prendre une douche, donc ils sont mouillés. D'accord. Oui, j'ai du mal à comprendre. Hein. Je suis un petit peu à côté de mes pompes.
Coucou Patricia. T'es la fille qui comprend rien. Ok, tu colos dans le dernier d'Anna Carlson. Donc ouais, je disais que moi je l'ai pas, il m'intéresse pas trop celui-là. Je sais pas pourquoi, j'ai pas. Et puis avec tout ce que j'ai et que j'ai pas encore avancé. Moi j'aime vraiment bien, c'est le noir d'ailleurs, il va falloir que je retourne dedans. Je crois que ça va être l'avant-dernier. Ça je l'adore par contre. Et je crois d'ailleurs que c'est dans celui-là que j'ai fait. Y a pas de souci, Sandrine. Ouais, c'est dans le noir que je l'ai fait au crayon aquarellable. Je crois que c'est le seul que j'ai fait au crayon aquarellable. Ouais, celui-ci, je l'avais fait au crayon aquarellable. Je me souviens. J'avais vachement bien aimé le faire. Et ce livre-là, franchement, je l'adore. Donc je pense que je vais retourner dedans bientôt parce que je l'adore. Je l'adore celui-là. Donc bah Joël vous fait des bisous à tout le monde, hein, mais elle nomme tout le monde. T'as du courage, ma minette, hein. J'avais sorti un truc, mais je ne sais pas si c'est des questions trop dures. J'avais sorti un jeu de quiz, mais j'ai l'impression que c'est archi dur au niveau des réponses. Ouais, c'est des questions, mais alors dignes du trivial, c'est un truc de fou. Donc Maëva dit coucou à tous ceux qu'elle n'a pas vus. Et à ma Vivi, bah oui, il semblait bien que tu m'avais oublié. Ah, là, il y a des petites questions qui peuvent être sympas. Ça, ouais. On va faire celle-là, tiens. Bah non, mais quand je vois des questions, attends, c'était quoi la question là? Quelle protéine transporte l'oxygène à l'intérieur des globules rouges du sang? Excuse-moi. Ça me paraît un peu dur. Bah, j'attends ta réponse, Joël. Puisque je te sous-estime. Vas-y, allez. Vas-y, vas-y. Salut Makounas, comment ça va? Alors Joël, quelle protéine transporte l'oxygène à l'intérieur des globules rouges du sang? Eh bien non. Eh bien non, le fer n'est pas une protéine, ma petite dame. Il s'agit de l'hémoglobine. Oui, ça y est, tu l'as dit. C'est bien, bravo. Mais quand tu lis la question, ça te paraît complètement difficile. Bon. Est-ce que vous avez envie de jouer? Oui, hémoglobine. Tu l'as dit, je l'ai lu. Vas-y, remets-moi le une troisième fois. Oh là 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 là, je vous l'ai dit, je vous le dis, je vous le dis. Je suis maltraitée dans ces lives, maltraitée.
Vous êtes chaud patate pour jouer? Bon, alors, comme d'habitude, hein, si vous pensez avoir répondu en premier, mais que moi je vois un autre nom, le prenez pas mal. Hein. Il n'y a pas de souci, Maëva. Coucou Manon. Oui, je crois qu'il y a une énorme latence. C'est quoi sur la 6, Caro? T'as pas envie de colorier, ma Joëlle? Moi, je colo de ouf en ce moment. Et sans me forcer, hein, sans aller vite, sans me presser. Ouais, courage, Caro. Mais je pense que c'est la période qui nous met dans la sauce comme ça. C'est pas possible autrement. Allez, quelle action consiste à féconder une fleur? Ah non, c'est quoi le film avec Bruel? J'ai commandé l'autre nuit, je dormais pas et j'ai regardé. Il restait une place en octobre à un concert à Rouen de lui au rang 4, donc j'ai pris la place. Oui, bravo Sandy! Ouais, pollinisation, polliniser, j'accepte les deux. Bravo les filles! Ensuite, deuxième question. Quel est le petit beignet libanais composé de pois chiches et de fèves? Yes, bravo Joël. Falafel. Bravo Sandrine. Falafel. J'ai refroid. Ça recommence. Je vais remettre ma pouque. Ah, Angé Gabriel. Oh, c'est pour le mieux. Yes. Falafel et houmous. Ah, le houmous, qu'est-ce que j'adore ça, purée. Et tu sais ce que je pensais cette semaine? Je me demandais ce qu'on. Je me rappelle pas ce qu'on avait mangé dans le désert. Impossible de me rappeler ce qu'on avait mangé. Bon, et c'est marqué petit beignet dans le jeu. Il n'a pas commencé à réclamer, sinon t'écris au jeu. Je sais pas pourquoi il y a la lumière d'extérieur qui arrête pas de s'allumer, ça me fout les jetons. D'après le dicton, que vaut-il mieux faire que guérir? D'après le dicton, que vaut-il mieux faire que guérir? Bah, on n'avait pas mangé que du houmous.
Je me souviens que le lendemain midi, on avait été. Ah, bah le soir aussi, on avait été dans une espèce de grande cantine. Bravo Adeline, prévenir. Patricia qui suit de près Adeline. Bravo les filles. Je me souviens que pour aller à notre chambre, on voyait que dalle. Puis on m'avait dit qu'il y avait des serpents. J'étais en PLS en retournant à la cahute. Prévenir, prévenir. Bravo les filles! Et je m'en rappelle pas. Je me souviens qu'on avait pris le thé dans une espèce de petite cahute où il y avait des chanteurs. Mais après. Il y en a qui étaient autour du feu dehors, mais après, je me souviens pas. T'as jamais mangé de houmous, Manon? C'est super bon. Ça se vend hein, dans les rayons frais, là où il y a le tzatziki, etc. C'est très très bon. Franchement, c'est très très bon. Moi, j'adore ça. Et souvent, quand on achète les chips rectangulaires, là, qui se mangent avec du truc à l'avocat, du guacamole. C'est en fait c'est des pois chiches pilés en fait. Après la recette je la connais pas. Mais en fait on va dire que c'est comme du guacamole mais avec des pois chiches quoi, pour schématiser la chose. Ou comme l'anchoyade ou tu vois ce genre de choses. L'anchoyade c'est avec de l'anchois. C'est hyper bon, franchement c'est trop trop bon. Tarama, tu vois, j'ai jamais goûté encore. Ça m'a jamais tenté pour l'instant. Mais je pense que si je goûtais, je pense que j'aimerais parce que tout ce genre de choses, moi je suis. J'adore manger. C'est mon grand problème. J'adore manger. On en parlait hier avec mon mari parce que sur TikTok, on ne fait que s'envoyer des recettes. Alors, comment se nomme le petit de l'oie? Coucou Nabaya, comment ça va? Ah, bisous Elvira, à tout à l'heure. Merci d'être passée en tout cas. Loison, bravo Martine. Non, pas l'oiseau, loison. Martine, Joël, Patricia, bravo les filles. Ah ouais, t'avais un petit. Mais c'est hyper méchant une oie, je crois.
Ça fait comme les signes. On a des signes. Coucou Catherine, comment ça va? On a des signes sur le bord de l'heure. Et quand ils sortent de l'eau et qu'ils se mettent sur le côté, passer en vélo ou à pied, ça fait carrément les jetons, quoi. C'est hyper méchant. Même si tu vas pas les voir, hein. Ils te pincent. Ah ouais? Vous aviez des canards quand t'étais petite? Oh, c'est trop. Donc tout le monde a fait bisous à Nabaya. Bubule demande comment tu vas, Manabaya. Et Manon demande à Catherine comment elle va. Et moi aussi, je vous demande comment vous allez, les filles. Bien entendu. J'espère que vous allez bien. Bien entendu, je salue aussi les personnes qui regardent sans oser parler. Même si je vous l'ai déjà dit, il n'y a aucune raison de ne pas oser. On est là en toute bienveillance. Coucou Clara, comment ça va? Oui, bah moi je tente pas jouer là. T'es gentil, je ferai pas. Hein. C'est cool, ça a beaucoup mieux. Ça, c'est une bonne nouvelle, Nabaya. C'est une bonne nouvelle. Alors, tata, vous parlez entre vous. Bah ouais, c'est cool. Par contre, j'ai pas mon crayon. Ah, je vais chercher mon crayon blanc, je reviens. J'ai laissé dans la salle. Mince, j'ai perdu mon crayon blanc ou quoi? Et là. Ah, la cruche. Excusez-moi, j'étais partie à la recherche de mon crayon blanc en fait qui était là. Ta, super Catherine. Désolée pour hier, je me suis endormie devant les MP Insta. Je vais aller voir de suite. Oui, beaucoup de vertiges et cristaux dans l'oreille. Bon, déjà, le traitement est efficace manifestement, donc c'est plutôt pas mal. On en était où? Ah, question politique. Quel homme politique français est surnommé le père de l'Europe?
Merde, c'est pas le blanc. Ah, t'as ça aussi, toi, Sandrine? Ouais, elle a souffert, hein. Elle était pas bien. Bah, puis le problème de l'oreille, c'est que ça touche en fait l'équilibre. Alors, il n'y a pas de réponse. Là, je vous ai séché avec ma question, hein. Ah, ça fait les malines avec le petit toit et tout ça, l'oison, machin. J'ai dit, quel homme politique français est surnommé le père de l'Europe? Non. Je vais vous laisser chercher un peu, ça va me faire avancer mon truc. Non. Martine n'est pas française. Oui, bravo Laurence. Laurence a bien répondu. Robert Schumann. Robert Schumann, exactement. Non, pas Charles de Gaulle. Oh, ça, Clara, c'est vraiment histoire de s'amuser, hein. Je suis désolée, je mange en même temps. Un triche, Adeline. Elle est à Google à côté. Waouh. Incroyable. Je mange des Kinder. Parce qu'en fait, si je suis en retard, pour tout vous dire, c'est que j'ai été en crise de vente toute l'après-midi. Je me suis quand même pas mal dopée, mais ça n'est pas passé. Donc, j'ai mangé super tard. Parce que j'ai attendu, attendu, attendu que ça passe. Ce n'est pas passé.
Et du coup, j'ai mangé vraiment, vraiment très tard. C'est pour ça que j'ai dit je vais être en retard parce que. Et du coup, je suis même passée faire un petit coucou alors, du coup, vu que j'étais en train de manger. Et en fait, ben j'ai eu envie de chocolat après manger, comme j'ai pas pris de dessert. Depuis, je prends quand même un petit yaourt après manger, là, j'ai pas pris. Je trouve que ma lumière est. Avant, elle éclairait mieux que ça. Là, je vois que dalle. Ça fait des traces. Ça me plaît pas du tout. Alors, où est-ce qu'on en est dans les questions? On tourne la fiche. Et vous savez quoi? Que mon sourcil est toujours pas repoussé. Hein. Rien à voir avec la fiche, mais je vous jure, c'est impressionnant. Hein. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va repousser. Hein. Un truc de dingue, ça aussi. Hein. Bon, bah, je ferai avec. Je mettrai de l'alcool sans odeur pour enlever les traces. Alors, de quel nom de reptile surnomme-t-on Iggy Pop? Oh, ouais. Non, mais en plus, je peux te dire que, bah, comme c'est pas du rasage, en fait, c'est vraiment du. C'est du. Comment on appelle ça? Manon, elle est en retard. Est-ce que quelqu'un peut dire à Manon qu'elle est en retard? Parce qu'elle parle de mon crayon blanc et ça fait un moment que je suis partie chercher mon crayon blanc. Oui, bravo Martine. Oh bah non, elle parle du grignotage. L'iguane, non, c'est bon. Ah oui, elle est en retard, hein, parce qu'elle est sur la question politique. Je pense que parce qu'elle est dans la politique, là, donc elle est carrément en retard. Ouais, c'était bien l'iguane. Oui, donc je disais, bah comme c'est de l'épilation, bah forcément, ça a pris la racine avec. Donc, purée, ça a carrément. Il n'y a pas de souci. Maintenant, je me disais, c'est bizarre. Tu répondais à des questions hyper lointaines. Alors, quel est le signe astrologique d'une personne née le 4 décembre? C'est rigolo. C'est rigolo. Ça y est, t'es revenu parmi nous, Manon? Yes, c'est celui-là que je veux. Avec celui-là. Yeah, Joël!
On est en plein dedans. Bah non, c'est Sagittaire, on est en plein dedans. Bravo Joël, bravo Patricia. Non, Adeline, c'est janvier. Ah, coucou Bibou. Pourquoi tu dis ma pauvre Virginie? Ah, pour mon sourcil? Oh, c'est pas grave. Voilà, je pense que ça devrait faire ce que je veux. Bah oui, il repousse, mais vraiment, vraiment, vraiment petit peu, hein. C'est vraiment pas. Manon, mais oui, je voyais bien que tu répondais carrément à l'envers, je comprenais pas. Ah, j'ai pas vu si c'était toi. Attends. Ah oui, c'était Sandy qui est très très haut. Puisque Joël a dit que j'étais chauve des yeux et ensuite elle a dit Sagittaire. Oui, Sandy, tu as raison, c'était toi. Coucou ma gribouille, comment va ma gribouille? Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Ça y est, je rechante. C'était qui cette chanson-là? C'était pas. C'était pas Dalida ça? Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme si, comme ça. Mais non? Non, non? Ah, peut-être chez toi, mais chez moi, effectivement, j'ai bien Sagittaire, ensuite ta connerie, ensuite j'ai Manon qui dit j'ai entendu Iguane, c'est bon. Et j'ai ensuite toi qui dis Sagittaire. Moi, c'est comme ça. Ensuite, j'ai les chloros, les colobas et Clara qui dit Manon et qui rigole. Ensuite, j'ai Patricia qui dit Sagittaire et j'ai Adeline qui dit Capricorne. C'est qui chantait cette chanson? J'arrive pas à me rappeler. Bah, la semaine dernière, on m'a dit que j'avais cassé les oreilles à tout le monde de chanter. Alors, je peux pas chanter. On va encore me dire que je casse les oreilles. Mais attention. Question littérature. Préparez-vous. Dans les starting blocks. Non, à quel écrivain doit-on le roman d'anticipation 1984? The Shorts qui chante ça? Oh, bah dis, je connais la chanson, mais j'ai jamais entendu parler de ce groupe. Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme si, comme ça. C'est pas le genre de chanson que t'as dans la tête pendant. C'est quoi tous ces gens en retard là? Yes, George Orwell. Bien joué. 1984. Et ça, c'est Eurythmics qui chantait ça. Avec Big Brother is showing you.
J'ai adoré le film. J'ai regardé quand j'étais au lycée en seconde, en anglais. Et la semaine dernière, j'ai regardé une série. La question, c'était à quel écrivain doit-on le roman d'anticipation 1984? Mais il l'a écrit bien avant 1984. Hein, et en fait. Et du coup, j'ai regardé Pacto de Silencio. Et c'est un peu le même style en fait. C'est un peu comme La Servante écarlate et tout. C'est vraiment sympa comme série. Alors, là, très facile. Très facile, très facile. Ouais, 1948, ouais, c'est ça. Il l'a vraiment écrit très très longtemps avant. Mais c'est impressionnant parce que même si c'est un peu... C'est un peu... Bah, ça ressemble quand même à pas mal de choses qui existent, quoi. Donc c'est très très intéressant à voir comme film. Bon, pour ceux qui préfèrent lire, à lire, mais... Coucou! T'as été à la boîte aux lettres, toi, Moru? Comment ça va? Comme si, comme si, comme si, comme ça. Les questions, je les sors de... où est la boîte de ce jeu? Le plus grand quiz de France. Améliorer votre culture générale, 1000 questions pour savoir tout sur tout et des tests pour évaluer vos connaissances. Oui, mais t'inquiète pas. Oui, il y a plein de questions que je ne sais pas répondre non plus, hein. C'est histoire de... C'est histoire de passer un bon moment et puis d'apprendre des choses tous ensemble, hein. C'est pas... Mais non! Ah putain, fais chier, tu me dis, hein, parce que... Ben non, c'est moi, Peggy, qui t'ai envoyé un truc. Donc ça me fait chier parce que c'est marqué livré. Non, non, t'es pas en décalage, Manon. Donc... Si c'est pas livré au bon endroit, que je fasse une réclamation. Ah, bah va répondre à la question de Lilian alors.
Bon, je vous pose une question facile. Vous allez être totalement dans la dégaine là. Vous allez dégainer votre clavier. Avec quelle fleur polynésienne les Vahinés confectionnent-elles des colliers? Non, la cousine est en dessous, ça veut dire quoi? Oui, Tiare, c'est ça, bravo. Joël, Peggy, Patricia, Bibou, Laurence, bravo les filles, je savais, je savais. Catherine, je savais que ça allait dégainer. Sandrine. Ah bah c'est plus facile que Robert Schumann, hein? Vas-y, bah pose ta question. On a fait un exercice de maths l'autre jour. On peut faire une question de Lilian. Mais enfin, moi, j'ai peur. Hein. Les questions de Lilian, généralement, faut être ingénieur agronome. Bah, je pense qu'il y a une. Moi, ça m'arrive des fois. Ça doit être en fonction de nos ordis. Je pense que ça doit être en fonction de nos ordis, en fonction de la vitesse à laquelle on a notre truc. C'est chiant, des fois ça le fait dans les lives de. Ah merde! Ah oui, la question. Alors. Donc, il faut que tu lui dises que tout récemment, maintenant, même les accents belges, suisses et anglais, c'est considéré comme du racisme. Je vous ai dit au début du jeu que c'était mon chat qui avait raison, parce que moi, je ne vois que ce que je vois, n'est-ce pas? Tout à l'heure, Joël croyait avoir répondu en premier, c'était Sandy. Ça, c'est une vaste question qui te pose là parce que effectivement, c'est très très embêtant. C'est très embêtant. Et je sais pas si vous avez vu la dernière fois, mais ah, peut-être que c'est parce que c'est sur le téléphone, je sais pas. Mais la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur mes colos terminés et effectivement, j'ai parlé d'une peau blanche. Et bah, j'ai eu un commentaire, mais de ouf en dessous. Parce qu'en fait, j'aurais dû dire peau caucasienne. Et c'était, bah, c'est un sujet qui est très délicat, hein, parce que toi, tu essayes de. Bah de vexer personne et en fait, bah non, tu n'as plus le droit de dire ce que tu. T'as fait un screen? Mais non, c'est pas toi. C'est quelqu'un qui s'appelle Emma. Donc c'est pas toi. Ah, t'as fait un screen de ton chat à toi. En même temps, il n'y a rien à gagner, hein, je vous rassure. Tout va bien se passer. Hein. Ben ouais. C'est. Bah ben ouais, mais ça, c'est le problème d'aujourd'hui. C'est que c'est très très compliqué. Et effectivement, des choses qu'on pouvait dire il y a 20 ans en arrière, on ne peut plus les dire actuellement. Mais c'est valable dans toutes les minorités. Hein, c'est
Regardez, je donnais comme exemple l'autre jour, ils veulent plus qu'il y ait de jeunes filles sur les podiums. Ils veulent plus de jeunes filles sur les podiums à côté des vainqueurs du Tour de France parce que c'est instrumentaliser la femme. Mais en même temps, les gamines qui s'inscrivaient pour faire ça, bah, ça leur faisait un peu d'argent pour l'été. Elles aimaient bien, enfin comme celles qui s'inscrivent pour être Miss France, je veux dire, elles le font pas. Enfin, c'est pas de l'instrumentalisation de la femme, c'est pas dénigrer la femme que de faire Miss France. Souvent, c'est un rêve de petite fille. Enfin, je veux dire, et tout ça devient très très compliqué parce que bien souvent, ce sont les femmes, des féministes avant toute chose, qui vont venir se battre contre ça, contre les filles sur les podiums ou contre les Miss France. Mais à côté de ça, elles vont pas défendre les femmes qui sont condamnées à mort en Iran pour avoir enlevé leur voile, quoi. Donc c'est très très compliqué. Ouais, je suis d'accord, c'est un peu compliqué. Bah là, vous avez vu dans Miss Univers, Miss Univers, il y avait une femme ronde, c'est qui était présentée, donc j'ai trouvé ça très bien aussi. Mais c'est ce qu'on disait l'autre jour, hein. Le Luron, Coluche, des proches, toutes ces personnes-là, ils ne pourraient même plus, ils ne pourraient même plus être sur scène aujourd'hui, hein. Ça c'est clair. Alors, à quel animal l'éthologue Diane Fossé a-t-elle consacré sa vie? Moi aussi, je rigole de tout. Je m'en fous. Je rectifie. Je rigole de tout dès lors où c'est c'est pas de la méchanceté. Parce qu'il y a des blagues qui sont vraiment des blagues pour faire rire. Et il y a des gens qui font des blagues pour blesser. Et là, c'est pas la même chose. Oui, c'est Gorille. Et ben voilà, t'es encore passée en deuxième, princesse, dans mon chat. Et Joël, ils vont commencer à croire que tu as les questions avant. J'ai les mauvaises joueuses qui sont arrivées, mon Dieu, quelle horreur. Elles vont se battre.
Ben, je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas comment ça se fait que vous avez les réponses qui s'affichent. Je crois que les cartes rouges sont plus difficiles. Je vais vous faire des questions de la mort qui tue. Non mais je rêve, mais c'est quoi ce sketch là? Elles vont se calmer les grognasses là? Non mais dis! Elle va se calmer la morue? Non mais dis! T'es obligée de me fâcher hein? Ce travail là! Bon, moi je comprends pas, ça fait pas ce que je veux aujourd'hui. Ou alors c'est la lumière, j'en sais rien. Mais ça rend pas les couleurs que je veux, donc ça m'énerve. Puis elle a la gomme pue, elle. Oh, c'est gentil. C'est pas mal, ça, Laurence. Alors attendez, je crois que les cartes rouges, c'est des cartes hyper raides. Bon, peut-être, bon, on verra. On y va. Bon, je vous ai pas fait la biographie de Diane Fossé, hein. Est-ce que ça vous intéresse? Bah oui, coucou Sophie, elle est au bout de sa vie, mais tu sais, c'est une gomme que j'avais achetée sur AliExpress, donc je pense déjà qu'il faudrait que je change les piles, ça serait peut-être une bonne idée. Peut-être. Et bah ça fait quand même 3 ans que je l'ai, donc pour une gomme de chez AliExpress. Ouais, non, je pense qu'il faut juste que je change les piles. Pas de soucis, Macaro. Oh, quelle horreur, le sujet de philo. Moi, j'ai eu 4 en philo, CoEF5, hein, je vous signale. Pour ça que je suis allée au rattrapage. Par contre, en parlant de philo, enfin, en parlant d'écriture, je suis au chapitre 7 de la correction de mon livre. La mise en page, donc si je me démerde bien, d'ici 15 jours, je pourrais l'envoyer à Amazon pour qu'il soit édité. Mais purée, ça prend du temps. Franchement, c'est un truc de fou. Comment tu vas, Sophie? J'y suis allée, mais on n'a pas eu le droit de les voir. On était trop jeunes. On est juste monté au volcan. Mais je ne sais pas de quoi vous parlez. Je ne sais pas de quoi tu parles, Peggy. T'es allée où?
Oh là là, t'as encore tes problèmes respiratoires, ma pauvre Caro. Oh, c'est chiant ça. Et puis avec le froid, je crois que t'avais chopé en plus lundi, il me semble que tu toussais. Non mais t'inquiète pas, hein. T'inquiète pas, t'es là, t'es pas là, fais comme tu le sens, Minette. Hein. C'est ta santé avant toute chose. Hein. Quelle ville belge est surnommée la Venise du Nord? Bon, je tourne la page, hein, je suis désolée. Tout à l'heure, quand je suis partie chercher mon crayon blanc, j'ai vu qu'à la télé, c'était 1 million dollar baby. Qu'est-ce que j'avais pleuré à ce film? Yes, bravo Joël. Bruges. T'arrêtes de répondre, Joël, ils vont croire que je t'ai donné toutes les réponses avant. Oui, sur la 8. Mais oui, mais je sais pas pourquoi Joël elle a les réponses avant que je pose les questions. C'est un truc de fou. Elle a une caméra chez moi ou quoi? Voit les questions. Mais non, et je vous jure, parce que je peux pas prendre de photos parce que je filme avec mon téléphone, mais à chaque fois, c'est elle qui... Quelle est la réponse avant? Et t'es vraiment juste derrière, donc... Je suis désolée. Selon l'expression... À quoi cela tourne-t-il quand les choses s'enveniment? Ben ouais, c'est ça, c'est trop bizarre. Ça pourrait, mais c'est pas ça. Yes, bravo Laurence, le vinaigre. Ça y est. Vous l'avez battu là, Joël, sur cette question. Bravo. Heureusement qu'elle nous a dit l'eau de boudin. Bisous Maëva, repose-toi bien. Coucou ma chenoufette, comment ça va? Mais oui, c'est bizarre ce truc. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Jus de boudin. Jus de boudin. Non, c'est le vinaigre.
Je vous ai laissé vous battre entre vous, là, un petit peu. Eau de boudin, ça aurait pu, oui, c'est un peu une expression familière. Il n'y a pas de souci, Déborah, tu regardes quoi comme série? Pas moi qui vais te dire le contraire. La semaine dernière et même la semaine d'avant, je suis à fond dans les séries. Je regarde aucune vidéo actuellement. J'ai regardé juste aujourd'hui et j'ai pas fini la vidéo de la relieuse de... Ah non, j'ai regardé aussi le vlog de Sandrine. Petit vlog d'une demi-heure, c'était rapide. Et puis la relieuse de... Merci beaucoup Manon, c'est gentil. Mon amie Adèle, ah je connais pas. Là j'ai commencé Castle. Bah. Ah oh, merde. Ah, voilà. Ah, je connais pas du tout mon amie Adèle. Ah, quand on est dans une série, c'est clair, on a carrément envie de continuer à la regarder. Là, je me suis mis Castle, c'est une vieille série policière. Et comme ça, je suis moins accro parce que là, les mini-séries que j'ai regardées, j'avais qu'une envie, c'était de me les regarder. Et je dévorais les trucs. Bah ouais, là, je connaissais pas. Donc, j'ai commencé ça hier. Je crois que je dois être au 5e ou 6e épisode. C'est pas mal. Alors, une petite question? C'est fini de vous entretuer? Quel est le nom scientifique de la vitamine B9? Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. C'est bah dans le 2, je crois. Attends. Ouais, c'est le 2. Ah ouais? Manon, depuis le tout début que tu me suis depuis tout le début, Manon? T'avais un autre pseudo avant? Non, c'est pas la mélatonine. Coucou ma Sandra, comment ça va? Tu auras remarqué mon évolution en termes de vidéo, même si c'est pas encore... Bah, je sais pas, Peggy, comment ça se fait que tu es en retard comme ça sur... C'est un truc de fou. Ouais, c'est bon, Joël. L'acide folique. C'est fou ça. Alors ma Sandra, on m'a conseillé Luxéol tout à l'heure pour la perte de mes cheveux. Est-ce que tu confirmes? D'accord, il n'y a pas longtemps, donc du coup tu rattrapes mes vidéos. Ah bah tu vas rigoler, hein, parce que dans mes débuts, alors des fois ça se coupait au bout de 40 minutes, donc du coup j'étais obligée de faire une deuxième vidéo, je ne savais pas qu'on pouvait les relier.
J'ai eu plein de fois la tête à l'envers. Ça bug? Bah non, ça bug pas normalement. J'ai pas eu de problème de bug depuis tout à l'heure pourtant. C'est bizarre. Bonsoir, renard rusé. Ah, c'est gentil, Manon, merci beaucoup. J'en ai fait des boulettes à mes débuts. Hein. Bon, j'en fais encore, hein. Ça m'arrive encore, mais un peu moins quand même. Ça doit être toi? Parce que je pense pas. Est-ce que vous pouvez répondre à Sandra dans le chat? Moi, je peux pas parler dans le chat. Comme je passe par Streamlab, je peux pas causer. Par contre, il y a une énorme latence. Bah écoute, oui, tout le monde va bien. Merci beaucoup. Me semble que Renard Rusé, t'es déjà venu une fois hein, sur le live. Si je me souviens bien. Alors, une question super dure. Archi dure. Très très dure. Fort capile. Ça bug un peu, bah merde. Moi, j'ai pas de bug chez moi et c'est bizarre. Non, mais moi non plus, Laurent, j'ai pas vu la réponse. Je comprenais pas pourquoi Joël, elle me disait ça. Donc, il y a un. Je comprends pas, je comprends pas, je suis perdue. Allez. Ah, d'accord. C'est Sandra qui t'a conseillé en août, ok. C'est pour ça. Ouais. Je pose la question dure, dure, dure. Et on laisse Joël répondre. Quelle unité monétaire vaut le centième de la livre sterling? C'est trop bizarre ce qui se passe ce soir. On m'a fait du vaudou sur ma chaîne, vous savez? On m'a fait du vaudou sur ma chaîne. Du coup, on est en décalage. Et voilà, elle a répondu. Le penny. J'ai pas fait exprès hein, que ça tombe là-dessus. Hein. Parce que vous allez croire que j'ai fait exprès.
Question chelou. C'est comme les centimes pour nous, en fait. Mais je pensais que ça allait vous induire dans l'erreur. Le fait que je dise le centième. Ça va, ma poupette? Oh, il date le jeu. Carrément, j'ai ressorti le machin et du placard. Alors, peut dire pence aussi, c'est le penny ou le pence. Ben, j'ai repris Candy Crush tout à l'heure, tiens, j'ai rejoué, mais il m'a remis au début, alors que j'avais fait plein de... J'étais arrivée quand même à je sais plus combien, mais... T'étais triste? Non. Alors, une question. Quel terme désigne une pierre précieuse? Je savais même pas que ça venait de là, ça. Bah oui, mais c'est bizarre quand même. Pourquoi il y a quelqu'un qui a toutes les trucs en normal? Et d'autres qui sont en décalé. C'est ça qui est étrange. C'est que si tout le monde était en décalé, ça viendrait de chez moi. Ah, oh, bah oui, c'est ça. Je savais même pas que ça venait de là. J'aime. Bonne réponse, hein, j'aime. Moi, je préfère la coinche. J'adore jouer à la coinche. Mais comme mon mari est extrêmement mauvais joueur, on a arrêté de jouer un peu au jeu. Parce que c'est un coup à divorcer, ça. D'habitude, ça fait pas autant de latence que ça. Enfin, que je demande à Tom qui me regarde, peut-être que ça s'est décalé au niveau de la latence. Et moi, je sais pas faire ça. Ah bah non, non, bah non, au contraire, bah non, vas-y, hein, on est là pour partager. Donc moi je pose des questions parce que bah pour vous occuper et tout ça, mais s'il y a des questions que vous voulez poser, bien au contraire, hein, allez-y, hein. Surtout si c'est du conseil colo, on est quand même à la base là pour ça quand même. Passer une soirée entre amis, mais aussi s'entraider au niveau colo, bien entendu, hein. Et j'ai rechaud. Vas-y, Manon, pose. Tout est ouvert. Regarde, tout à l'heure, Peggy, elle a posé une question. Il n'y a pas de tabou chez moi. Ah, rien à voir avec le colo, mais c'est pas bien.
Pause, et si vraiment c'est gênant ou autre, je te le dirai. Quelqu'un connaît la plante de la rose Géricault? Ah, pas du tout. Alors moi personnellement, je connais pas. Pas si dans le chat quelqu'un connaît la plante de la rose Géricault. Ah, ouais, je connais pas du tout. M'a conseillé de prendre cette plante de rose de Géricault. Et ça, c'est on te l'a conseillé en infusion ou autre? Non, je connais pas du tout. Après, ça dépend quel est ce style de plante. Il faut bien regarder si ça risque pas de te faire des allergies ou autre. Après, si c'est juste des infusions, ça peut pas te faire de mal, j'ai envie de te dire, s'il n'y a pas de danger. Avant de prendre quoi que ce soit, renseigne-toi. Même si. Les gens n'y croient pas au niveau fertilité, c'est surtout l'important, c'est que ça te rende pas malade. Donc, c'est vraiment ne jamais prendre sans l'avis soit d'un toi d'un pharmacien ou autre, quoi. C'est surtout quand c'est des choses pas connues comme ça. Mais ça, du coup, en quelle Adeline, puisque tu es sur Google, ça aide en termes de fertilité, c'est-à-dire ça développe les ovules, ça aide. Ça aide les ovules à être plus nombreux ou c'est plutôt à l'homme de le prendre pour que les spermatozoïdes soient plus vivaces? Ouais, il faut vraiment se méfier de ce genre de choses. C'est-à-dire que, tu vois, moi, on m'avait conseillé pour mon dos le CBD, là. Je suis allée dans les nouvelles boutiques qu'ils ouvrent.
J'achète l'huile de CBD sans demander l'avis de personne, sauf à la dame forcément, qui est la vendeuse du truc, bah, elle me conseille machin, bah oui. Bon bah j'ai dit écoutez super, si ça fonctionne, j'aimerais vous en racheter. Bah j'ai fini aux urgences avec un urticaire géant parce que j'ai fait une allergie à l'huile. Donc toujours se méfier de ce genre de choses, quoi. D'accord, c'est pour la femme, ok. Donc c'est pour développer les ovules en fait. Après, de toute façon, les remèdes de grand-mère, si c'est les remèdes africains ou de grand-mère, parfois ça fonctionne, hein, mais c'est surtout qu'il faut, voilà, pas prendre sans l'avis effectivement d'un pharmacien ou parce que, voilà, que ça te détraque pas autre chose, tu vois. C'est surtout ça. De toute façon, je pense que si vraiment ça fait pas de mal, je veux dire, autant essayer, hein. Mais vraiment, faut vraiment bien se renseigner avant. Bisous ma tartine et puis un gros bisou à ton mari. Bah ouais, c'est ça Manon, c'est surtout faire attention à ça. Bisous ma Caroline, repose-toi bien. Pas tout à fait le bleu que je voulais, mais bon, ça va. Ah, tu vois, Catherine, elle te dit attention, il y a des risques d'allergie. Moi, c'est toujours ça qui me fait peur, hein. Et puis aussi, ce qui me fait peur, ce genre de plante, comme elle se trouve pas partout. Etc. etc. Il y a la spéculation du prix. Ils te font ça parce qu'ils font. Ils profitent de, bah, de la détresse des gens en fait. Et ils vendent ça hyper cher. Et ça me dégoûte quand ils réagissent comme ça, les gens. Ah, super! Bah, il est poli ce chat! Bravo! Sympa. Puis elle a redit, carrément dans ta tête, qu'est-ce qu'il faisait? Les fesses sur ta tête. Qui c'est qui foutait là, celui-là? Mais non, c'est rien. On discute, on papote, hein. Il n'y a pas de souci. Ouais, c'est ça.
Essaye pas de tourner la question là. Qu'est-ce que ton chat foutait les fesses en l'air devant ton visage? C'est clair. Laurent, c'est tout à fait clair. C'est pas tout à fait le bleu que je voulais, mais ça va. Je pense que je vais mettre du Posca or, de l'artistro or, pour faire les trucs. Je pense. Alors, attends, parce qu'il faut que je détoure ça. Alors, est-ce que vous avez fait des achats dernièrement? Qui a acheté quoi? Oui, c'est ça. Racontez-moi vos dépenses. Confiez-vous à Vivi. Aucun craquage colo. J'aime bien, c'est la précision. Aucun craquage colo. Juste colo, hein. Sophie, c'est toi, c'est le chat, Manon. Et moi, la chienne. Ah bah sympa. Oui, vos dernières dépenses. T'es en no-buy. Non, mais je rêve. Mais quelle menteuse. T'es pas allé à Lyon dernièrement chez Cultura avec Gribouille, toi? Les patrons, ça s'achète. Oui, bah oui, remarque. Donc, quand tu fais du tricot, ça s'achète aussi. Et tu peux pas en trouver sur YouTube et tout, des patrons? Il y a une chaîne de colo qui faisait du crochet comme toi aussi. Je sais plus comment elle s'appelle. Bah, celle qui faisait le Summer Night avant. Qui avait arrêté de faire le Summer Night. Je sais plus comment elle s'appelle. Elle avait montré une fois ces petits animaux qu'elle faisait. Envie d'une trousse à crochet. Zéro craquage et pas de cadeau de Noël. Ah bah merde. C'est Papa Noël qui a acheté et c'était pas Cultura, c'était Géant des Mozart. Ah bah oui. Ah ouais.
Bah oui, du coup, purée, d'avoir deux passions comme ça, ça commence à coûter, hein. Alors moi, j'ai dépensé, mais pas vraiment dans le colo. J'ai acheté des habits pour les fêtes de fin d'année. J'ai acheté des t-shirts sur AliExpress. Parce que j'ai trouvé des t-shirts qui me plaisaient. J'ai acheté le dernier CD de Patrick Bruel. Bon, je suis un petit peu déçue parce que c'est exactement le même que celui d'avant avec trois chansons en plus. Trois ou quatre chansons. Donc un peu déçue. Bah ouais, c'est pareil, c'est comme pour les illustrateurs qu'on préfère, quoi, le fait de leur acheter leurs livres plutôt que de d'aller sur Pinterest chercher des images ou autres, quoi. C'est un peu le même principe. Ah, tu fêtes plus Noël? Moi, j'aime pas. Franchement, j'aime pas fêter Noël. Mais bon, on le fait pour les enfants surtout. Même s'ils grandissent. Là, on n'a plus vraiment de petits bébés. Parce que la petite cousine, elle fait Noël chez ses grands-parents. On va certainement la voir plutôt le lendemain de Noël. Donc on n'a vraiment plus de vraiment de bébés dans la famille, quoi. Et pour ouvrir les cadeaux. Sont tous grands. Et par contre, vous savez, Eline, elle voulait Eline, elle voulait le doudou loutre là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. C'est une petite loutre qui a les bruits de respiration, qui a des bruits blancs. Et comme elle est un peu comme moi, elle est assez anxieuse, elle voulait ça pour Donc je lui ai dit, bah écoute, je vais te le prendre pour tes bonnes notes. Je regarde sur Amazon, il était à 28 euros en promo. Je me le mets dans mon de côté. Bon, tiens, je le commanderai la semaine prochaine et tout. Au moment où j'ai voulu y retourner, en rupture. Donc je commence à chercher sur d'autres sites et tout. Rupture, rupture, rupture. Oh, je mets mince. Je vais sur Vinted. Et là, 80, 100, enfin, des prix, mais horribles. Un truc de dingue. Et du coup j'étais écœurée, quoi. Et en fait ça a fait toute une dinguerie, comme c'est en rupture. Les gens ils spéculent dessus, ils spéculent dessus, mais un truc de fou, quoi. Et en fait, avant-hier, je crois, mon mari, bah du coup, il s'était mis à chercher aussi. Il a trouvé sur un site que je connais pas qui s'appelle 10h30, je crois, un truc comme ça. Et on l'a trouvé à 29,90 €. Et donc je l'ai commandé. Bon, dès lors où c'est un site que je connais pas, je regarde si je peux payer par PayPal. Si je peux payer par PayPal, c'est bon, je le fais. Donc là, je pouvais. Donc bah, j'ai commandé sur PayPal. Donc là, j'attends. Ils m'ont dit qu'il était en route. Donc j'espère. On verra bien ce que ça donne. Ouais, moi aussi j'avais voulu apprendre à coudre. Du coup, on m'avait offert une machine à coudre à Noël, une année. Et bah, j'ai fait quelques petits trucs. J'ai fait quelques petits trucs. J'avais fait les masques au moment du pour la mairie, moment du Covid. Et puis j'ai fait une jupe pour Eline et une nappe, mais faut beaucoup de place, je trouve, pour coudre. Et donc c'était soit je faisais une salle colo, soit je faisais une salle couture. Et comme le colo a pris beaucoup plus d'importance, donc la pièce c'était pour le colo. Ouais, on l'a trouvé, mais
Ouais, le scrap, c'est pareil. J'avais regardé une ou deux vidéos de filles qui font du scrap. Il faut énormément de place aussi. Hein. Marc, pour le colo aussi, tu me diras, mais franchement. Donc, si je comprends bien, là, tout le monde se réserve pour Noël. Bien, vous êtes raisonnable. Moi, j'ai même pas d'envie particulière en colo. J'ai l'impression d'avoir, en fait, tout ce que j'ai besoin, je l'ai, j'ai l'impression. Bah ouais, bah déjà, bah là je me suis acheté la relieuse. Je sais même pas où je vais la ranger. Pour l'instant, elle est dans son carton. Pareil, les trucs là, ça prend carrément de la place. Bon après, une fois qu'ils vont. Je vais en utiliser forcément, puisque je vais relier là, mais. Parce que ça là. Ça, c'est chiant, je trouve, c'est que il n'y a pas les tailles en fait de marquer dessus. Il n'y a pas les tailles, on ne sait pas si c'est parce que dans sa vidéo, Maëva, elle parlait des tailles, mais en fait, c'est pas marqué. Parce que comment on peut savoir cela? Combien de feuilles on met dedans, quoi? C'est ça qui est gênant. Ah, tu fais du piano maintenant? Maman. Pas beau. Ah oui, ils sont pas beaux déjà. Non, c'est pas beau. Ouf. Non, c'est comme ça. Non. Si. French, c'est comme les Français. French. Non. Vous écrivez comment French? Alors, t'as raison. Bah oui, mais ils vont écrire French français, pas French les ongles. Bah si, French les ongles, c'est non, pareil. C'est pas pareil. Bref, donc j'étais en train de dire. Que c'est chiant de pas savoir les tailles en fait. Ah, bonsoir Mimi Colo. Tu vois, il marque French comme ça. Et French pour les ongles. Ça s'écrit pareil ou pas? Ah, t'es confiné avec les trois chats sur toi. Donc ça plus la relieuse, ça prend de la place dans le bureau. Tu veux French manucure. Non, c'est on demandait. Bah, bienvenue, Mimi Colo. Parce que tu es en décalé, Peggy.
J'avais demandé comment ça s'écrivait French pour les ongles. On n'est pas d'accord avec Eline. Mais non, c'est pas marqué sur mon carton. Ah, c'est cool d'apprendre de... C'est bien. Mais non, c'est pas marqué dans mon carton. Tu vois, c'est pas marqué, regarde. Kit Binding Starter Kit de Craftelier. Il n'y a rien. Et même, j'avais regardé. Il y a ça, mais il n'y a rien dedans. Pour ce que c'est. La pince, mais il n'y a pas marqué les tailles. Ça t'énerve les nerfs. Je sais pas, ma fille. Je trouvais ça con, tu vois. Quand t'achètes ça, déjà, tu t'y connais pas et ils te mettent pas les tailles. Donc, c'est ridicule. Parce que moi, je voudrais pouvoir relier mes trucs, là. J'ai mon Harry Potter de Fabiana Attanasio. Ben oui. On est bien d'accord. Bah, faut que je retourne sur Craftelier pour voir. Oui, poubelle. De quoi poubelle? Bah, elle est à côté. Ouais, non, mais c'est ce que je lui disais, mais elle voulait pas me croire. Non, mais il y a une latence à mon avis quand Tom. Parce que là, il est au hand, mais demain, s'il a le temps, il faut qu'il me regarde ça. Donc j'aimerais bien relier. Non, il n'y a pas la notice. J'ai pas de notice. Ah, notice, bah juste de la relieuse, mais. Est-ce que dans la notice. Mais dans la notice de la relieuse, je crois que c'est pas marqué. Recoucou, t'es beau! Masse nous fête. T'as combien de vues sur Instagram? 945. Non, il n'y a pas, hein. Non, il n'y a rien de noté dans la notice. L'entraînement, il était nul. Pardon? L'entraînement, il était nul. Mais non, c'était un vrai entraînement. Non, c'était nul. Bisous, Caro! Oh, je baille aussi, moi. Oh, mon Dieu. J'aurais fait deux ballons, un truc de fou. Vachement avancé, hein. Je repousse ça parce que du coup j'ai bougé.
la machine. Prends soin de toi, Caroline. Bisous à Ninou. C'est quoi, c'est déjà ça, Déborah? Pas compris. Il y a un vent de ouf dehors, un truc de incroyable. C'est reparti pour un tour. Pour la taille, c'est rentré, non, c'est allumé, ouais, oui, mais ça arrête pas de s'allumer. C'est le vent, je pense. Puis tout à l'heure, j'ai les jetons parce que je vois. Il y a le truc des oiseaux qui fait que bouger quand il y a du vent, mais il y a un vent de fou, donc à mon avis, ça allume la lumière de... Bonne nuit, ma pardon. Fille. Ouais, c'est déjà ça, mais bon. Je sais pas. Je veux pas non plus tarder de ouf. Parce que vu les douleurs que j'ai eues aujourd'hui, je vais pas. Je vais pas abuser. Je voudrais au moins finir mes ballons. Ça serait cool. Si j'arrive à tenir. Pour finir les ballons, ça serait juste trop cool. Donc, pas d'achat. Alors, par contre, vu que vous n'avez rien acheté là, qu'est-ce que vous avez envie d'acheter? Quelles seraient vos envies là bientôt? Alors, soit une envie, on va dire classique, soit vous dans l'imaginaire, vous avez gagné au loto ou à l'euro-million et vous. Non, mais c'est rien maintenant, tu sais, je m'y habitue, c'est parce que. C'est juste. En fait, le truc, c'est que quand j'ai pas mal, bah, j'essaye de faire des choses. Sauf que bah, je le paye après, quoi. C'est ça le truc. Ça, c'est pénible. Et pourtant, j'ai bien fait comme on m'a dit. J'avais pas mal lundi, hier. Donc, comme j'avais pas mal, j'ai fait du repassage. Mais j'en ai pas fait non plus énorme. J'ai fait comme on m'a dit, de faire petit à petit. Et ben, je l'ai payé aujourd'hui, tout simplement. C'est pas grave, hein? Et mon problème, c'est aussi le sommeil, quoi. C'est que je me couche parce que j'ai l'impression d'être fatiguée. Puis une fois que je suis couchée, bah, je tourne en rond. Donc comme je veux pas embêter mon mari, je me lève. Et bah, je me couche, il est 2 h du matin. Donc le lendemain, j'essaye de mettre mon réveil pour pas non plus ne pas voir la matinée, sauf que je me rendors parce que je suis naze. Enfin bref, c'est d'une grande n'importe quoi.
T'as envie de rien, Sophie? Un Joël, des aquarelles, des meubles, un lit, un dressing, une bibliothèque. Alors là, faut que tu gagnes vraiment à l'euro million, ma Ninette, hein. Pas de soucis, Manon. Bisous, ma Sandy. Merci d'avoir été là. Ah, un refuge d'animaux. Ah, bah là, tiens, vous pouvez vous serrer la main avec Joël. Moi, je ne sais même pas. En fait, c'est ça qui est terrible. Je ne sais même pas. Quelle est la marque de crayon? Ah, Elvira. Quelle est la marque de crayon qui vous fait envie? Et pourquoi? Bisous Manon, à plus. Ah, Déborah, t'as été formée dans la petite enfance. Hein, je te vois bien en plus, t'es tellement douce. Je te vois carrément bien dedans en plus. Les light fast pour l'intensité. Manon, à chaque fois, je reviens, mais hop, Hardy quelque chose, je reviens. J'avoue, les light fast, ils sont. Moi, je les achète petit à petit. Là, je commence à en avoir une bonne partie. J'avoue, ils sont vraiment bien. Coucou Véro, bienvenue. Les Intense, ils sont trop bien aussi. C'est pareil, je regrette pas du tout. J'avais demandé l'année dernière, mon mari me les a offerts. Et je regrette vraiment pas du tout. C'est pareil au niveau gamme de crayons entre ceux qu'on m'a offerts. Ce que moi j'ai acheté et tout, je commence à en avoir quand même, voilà, comment on dit? Un sacré nombre, pardon. Alors les luminances, je les ai achetées petit à petit aussi. Et là, il m'en manque plus que deux. Je les ai quasiment tous. Mais effectivement, je les ai achetées petit à petit. Là, les light fast, j'en ai profité. Bah, j'ai fait dans ma vidéo, je vous en ai parlé. J'ai profité au Géant des Beaux-Arts. Ils étaient à 1 € de moins en promo. Et en plus, avec le code promo, je ne sais plus lequel d'ailleurs, il passe en ce moment sur les réseaux. Bah, j'ai pas eu de frais de port. Donc franchement, c'était trop 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 intéressant. Du coup, je me suis pris quelques luminances et les light fast. Enfin, des light fast à l'unité. Alors moi, garder des enfants, autant que j'adore les enfants, franchement, mais en faire mon métier, je ne pourrais jamais. Parce que je me connais. En plus, maintenant, les parents, il est interdit d'interdire. Et ça, je supporte pas. Moi, je sais que je suis très très dure
Je suis beaucoup trop dure dans l'éducation. Et avoir des enfants qui font des comédies pour rien, je ne supporterai pas. Et je m'engueulerai avec les parents, ça c'est sûr et certain. Je vous fais bouger, hein. Alors là, je me suis entraînée à faire des étiquettes pour reconnaître mes trousses. Mais je vais vous montrer. Je vais me chercher la trousse. Mais ça va pas. Faut que je les refasse et que je les plastifie parce que ça me plaît pas. Sur Amazon, 213 euros. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont augmenté? Moi, je les avais eu à 90 euros à l'époque. Ah bah oui, non, mais c'est ça, moi, c'est pour ça que je me... En fait, j'ai fait des étiquettes comme ça. Mais je vais les refaire. Parce que comme j'ai chamboulé toutes mes trousses, j'arrive à plus me rappeler quels sont les crayons qu'il y a dedans. Donc là, par exemple, j'ai les Luminances et quelques Pablo. Et du coup, mais en fait, ça va pas. Parce qu'ils se tordent. Donc je pense que je vais les refaire et les plastifier. Ça sera beaucoup plus joli. Donc je pense que je vais les faire. Et puis coller des petits stickers et tout pour que ça fasse... Que ça aille. Et comme ça, au moins... Comme ça, je verrai mes trousses et tout. Bah ouais, mais moi, c'est ça, c'est les parents, comme tu dis, Déborah. Je peux pas. Déjà à l'école, je me serais battue avec les parents de certains élèves qui emmerdaient mes enfants. Donc, non, non, c'est pas. Par contre, j'aime bien l'association des couleurs que j'ai trouvées. J'ai regardé une petite dans le compagnon là de. Oh, qu'est-ce que je fais là? N'importe quoi! Oh! Mais quel boulet! J'étais partie à colo n'importe comment. Et la cruche. Et hop, j'étais partie, genre crayon aquarellable. Une n'importe quoi.
Mais même en livre, je me disais que, parce qu'en gamme de crayons, je me disais que j'avais ce qu'il fallait. Et en livre, c'est pareil. Je crois que tous les livres qui me faisaient envie, je les ai pris. Donc, en fait, grosso modo, on s'aperçoit que quand on débute, c'est vrai qu'on dépense énormément et qu'on n'arrête pas de dépenser, mais à un moment donné, une fois qu'on a tout notre matos que l'on avait envie ou que l'on avait besoin, selon comment on peut estimer nos besoins, bah au final, bah on se calme en fait, hein. On se calme complètement. Là, les quelques prochains achats, prochains. Ouais, mais les à épaule, j'ai pas commencé, j'en ai commencé qu'un sur les trois. Donc, est-ce que je vais m'en acheter un quatrième alors que le dernier Anna Carlson, il m'intéresse pas pour l'instant. Franchement, il me tente pas du tout. Ouais, peut-être Kirby. Kirby, ça peut, peut-être. Bisous Sophie, à bientôt, merci d'être venue. Ça dépend parce que les deux derniers me plaisaient pas du tout. Bisous Patricia, merci d'être venue. Bonne nuit. Bisous ma counasse, dors bien, prends soin de toi, merci d'être venue. De toute façon, il me reste un ballon, donc je fais mes ballons et puis après j'arrête le live aussi. Pour celles qui ont une pièce à colo, est-ce que vous avez assuré votre pièce un peu plus que j'y pensais l'autre jour? Parce qu'en fait, on discutait avec mon mari et je disais que finalement, la pièce de la maison où il y avait le plus d'argent, en fait, c'était celle-ci. Parce que mine de rien, le matos colo, ça coûte quand même de l'argent. Et il me dit oui, mais bon, si on se fait cambrioler, ils vont pas venir te chercher tes crayons. Ben, c'est sûr qu'ils ne savent pas ce que ça vaut, donc bien sûr que non. Mais par contre, un dégât des eaux ou le feu ou autre, là par contre, ça serait pas la même chanson. Donc je me demandais si j'allais pas assurer un peu plus cette pièce. Et je voulais avoir votre avis. Quel boulet, mais je fais n'importe quoi ce soir.
Bah, tu sais, quand tu assures une maison, ils te demandent à hauteur de combien tu estimes tes meubles, etc., etc. Si t'as des bijoux, enfin, je sais pas moi, si t'as des trucs de valeur. Donc, je voulais... Coucou Jenny, comment ça va? Est-ce que ça va mieux? Et du coup... Je m'interrogeais sur le fait de d'augmenter en fait cette pièce-là en fait de fait beaucoup de en fait hein, cette affaire mais d'augmenter la prime d'assurance sur cette pièce-là parce que si jamais il y a un dégât des eaux ou un feu bah, que je puisse être remboursée de mon matos colo quoi. Que je sois pas obligée de tout racheter de ma poche. Ah, t'as les nerfs? Qu'est-ce que t'as? Tes cartons, ça doit être chiant à refaire là le déménagement. Bah puis s'il est chiant, c'est qu'il va mieux, donc c'est déjà bien. Ouais, tu penses que c'est plus des valeurs? Je sais plus. De toute façon, il faudrait que j'appelle. De toute façon, je vais changer d'assurance là. Donc, quand je vais changer. Ah bah oui! On est le 21! Demain, c'est l'appel de mon. J'avais gagné au prud'homme, je vous avais dit. Et en fait, mon patron a fait appel et c'est demain l'appel. Ah oui, ok. Ma pauvre. Oui, en plus c'est vachement l'heure de faire ça. Ça. Oui, ça énerve. Avant le dodo, oui. Je peux comprendre. Ah, t'as pas de sèche-linge du coup. Ouais, c'est vraiment pratique le sèche-linge en hiver pour pouvoir sécher sur tous les couettes et tout ça, j'avoue. Parce que moi j'ai pas du tout de place pour étendre les draps. Donc du coup j'ai un sèche-linge pour ça parce que je n'aurais pas du tout de place pour les étendre sinon. Ouais, c'est vrai, t'as raison, Déborah. Mais bon, c'était une question que je me posais cette semaine, comme ça. Ah, puis là, ça vient de me revenir que demain, c'est la plaidoirie d'appel. Oh. Puis après, le délibéré dans 2-3 mois. Après, on sera fixé. Moi, j'ai le sèche-linge famille nombreuse. Je peux te dire que j'en mets dedans. Parce que
que moi, c'est une tournée par jour. Hein. Un petit peu moins là parce que j'ai mon grand qui est plus là, vu qu'il travaille sur Paris, il est pas là tout le temps. Donc du coup, comme c'est celui qui s'allie le plus avec Hélène, du coup, je fais moins de tournées. Moi, je sors pas de chez moi, donc j'avoue que je n'use pas beaucoup de linge non plus. Et voilà, dernier ballon est fait. Tu as raison, tu sais, quand je vois les inondations, etc., je me dis comment je vais sauver mes livres. Ça fait un peu con, mais si je perds tous mes livres, de quoi je... Bah, c'est clair, hein. Bah, faut pas oublier non plus que notre matos de colo, c'est ce qui nous... Enfin, l'art thérapie, c'est pour qu'on aille bien. Donc, notre matos de colo, ça nous sert à aller bien. Donc, si on le perd... Déjà que quand tu as quelque chose bah, comme ceux qui se sont fait inonder ou comme Mélissa qui a eu le feu là, bah, si tu perds déjà des affaires à toi, donc tu as déjà un certain traumatisme, si tu perds ce qui te fait du bien, c'est trop, trop grave quoi. Oh, merci beaucoup Sandrine, c'est gentil. Ouais, en plus tu dois tout faire avec ta douleur. C'était pas le moment en fait. C'était vraiment pas le moment. Je te remercie. Écoute, j'avoue que j'aime beaucoup les couleurs. Donc les plumes de toute façon, je vais les faire dans les tons gris blanche. En tout cas, ces plumes-là. Les plumes qui ressemblent à des plumes. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Les feuilles, là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Bon, le flamant rose, c'est sûr, je vais le faire rose. Et le fond, je ne sais pas encore. Merci Véronique. C'est très gentil à vous. J'avoue que j'aime beaucoup. Ouais, mais je suis comme toi, moi je j'ai plus de Clipal, codéine, donc je ne suis que au tramadol qui ne me fait rien du tout. Donc je pense que je vais ressortir une boîte d'Acupan. Mais ça me fait chier, j'ai l'impression d'être une droguée, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est un peu chiant quoi. Mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? On va pas. Il hein, y a des gens qui ont pire que nous, j'ai envie de te dire. C'est ce que je me dis malheureusement. Malheureusement, malheureusement. Merci Déborah. Bah, merci beaucoup à tout le monde. Je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live, d'avoir répondu aux questions pour ceux qui ont répondu aux questions. Bah, je remercie aussi les personnes qui vont regarder en replay, bien entendu. Bah, j'espère vraiment pouvoir vous filmer plus cette semaine.
Ouais, Déborah, je crois que c'est ça, hein. Notre corps s'habitue. Hein. Bah, j'ai peur qu'il me passe à la morphine, en fait, et que après, si la morphine fait plus effet, il n'y a plus rien au-dessus, quoi. Bah, merci d'avoir participé, en tout cas. Donc, c'était bien sympa, comme tous les mardis. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Vous êtes adorable. Vous êtes adorable. Trop de compliments. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, ça me touche. Non, vraiment, ça me. Quand vous me dites que mes colos sont beaux, ça me. J'arrive pas à y croire, en fait. Quand vous me le dites. Mais ça fait toujours plaisir. C'est trop chou. Avec plaisir, Véro. Je vous fais des gros, gros, gros bisous. Merci d'avoir été là. C'était vraiment très sympa. Encore un bon moment passé avec vous tous. Tu me renverras le nom de la série en MP, Débo, s'il te plaît. Parce que je vais avoir oublié. Hein. Ah bah je ne serai pas là-bas, Catherine, demain. Je n'y serai pas. Je ne vais pas à la plaidoirie. Tout comme en premier instant, je n'étais pas allée. Et je n'aurai pas la réponse avant 2-3 mois. Donc. Ah mais il n'y a aucun. Alors Déborah, je vais te dire, il n'y a aucun souci. Enfin voilà, moi je ne suis pas la plus assidue en ce moment sur les lives, donc je ne vais pas critiquer les gens qui viennent sur, pas sur mes lives. Comme je dis toujours, moi je suis là pour être à votre rencontre. Parce que ça me fait du bien d'être avec vous aussi. Et puis bah, si vous passez par là et que vous voyez de la lumière et que vous venez, que vous passez un bon moment, c'est du plus. Voilà, tout simplement. Et c'est comme ça que je le prends. Donc, vous inquiétez pas. Si vous n'êtes pas là, c'est que vous avez votre vie à faire. Et que vous avez autre chose, une série, un autre live. Il n'y a aucun souci. Ah oui, la semaine prochaine, je serai, je pense, si j'arrive à être en même temps sur ma chaîne et celle de Laure, je serai sur les deux. Mais sinon, il y a de grandes chances que je sois sur la chaîne de Laure, puisqu'elle m'a demandé de faire un live avec elle. J'ai accepté. Donc la semaine prochaine, je serai avec Laure en live. Donc je vais voir comment je m'organise. Mais si je n'arrive pas à le mettre en même temps sur ma chaîne, je ne serai que sur la chaîne de Laure. Voilà. Mais je vais essayer de pouvoir que les lives soient en simultané sur les deux chaînes. Merci Sandrine, c'est gentil. C'est très très gentil. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Je serai, je pense, un peu en avance au rendez-vous de nos promesses. Est-ce que tu viens pour les vacances? Nanana. Ah, que de souvenirs, David et Jonathan. Ah là là, il fallait bien une petite chanson pour quitter le live. Donc voilà, donc la semaine prochaine, de toute façon, je vous referai un petit post Insta pour vous en informer. Voilà. Je vous fais des gros 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 bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et on n'oublie pas les petits pouces! Les petits pouces! Allez, je vous fais des gros 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 bisous! À bientôt! T'en vas pas! Si tu l'aimes, t'en vas pas! Papa, si tu l'aimes, oh là, dis-lui! Quelle est la femme de ta vie, vie, vie? Nanana, t'en vas pas. Oh là là, si tu me lances sur les années 80,
Jour de neige, nanana, qui me protège. Première neige. Oh là là là, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce que c'était bien. Bon allez, je vous laisse. Bisous, bisous, bisous. Merci beaucoup, machnoufette. Allez, je vous embrasse tous. Merci. Merci et à bientôt.